façonnent l'acier depuis Henri IV dans le secret de la forêt des Ardennes. Ils ont fabriqué des bielles pour les trains de la République, des rouages pour les moissonneuses, des alternateurs pour nos voitures. Ils ont été les forgerons de la modernité. Je suis très malheureux de cet épilogue parce que mon objectif était de pérenniser quelque chose, y compris hors du cadre familial. Car c'était quand même ça le fondement de mon père qui était très très imprégné de ça. C'était la responsabilité sociale dont il me parlait souvent. Un nombre de familles. Alors, est-ce que c'était son catholicisme, effectivement, qui l'animait comme ça? Mais je crois qu'il y avait aussi une réelle solidarité humaine qui lui faisait dire on a une responsabilité, François, de tant de familles et de tant de personnes dans le coin. Et c'est vrai que ça, cet épilogue me rend quand même assez malheureux, quoi. À quoi ça ressemblait Nouzenville pendant votre enfance, votre jeunesse? Les ça bruits, les odeurs. On a été, pris l'habitude de dire, on a été élevé au bruit des marteaux-pilons, des sirènes d'usines. Rien qu'à Nouzenville, il y avait combien d'usines, à peu près, quoi? Je sais pas, moi, 35, 40. L'essentiel, par exemple, des producteurs comme Tomé Génaud ou les aciéries Tomé, et d'autres petites fonderies qu'il y avait également, hein, avec 30-40 personnes, y a des pièces qu'il fallait usiner, il y avait des ateliers de mécanique générale qui se trouvaient à Nouzenville également, et qui ont disparu, puisque toutes ces entreprises-là, ces donneurs d'ordre, ont disparu également. Depuis 30 ans, 75, on a perdu pas loin de plus de 1000 ouvriers, plus de 1000 emplois. Près de la ville, une aciérie fantôme, habitée par la mémoire de 5 ou 6 générations de destins ouvriers, est livrée dorénavant au seul travail du temps. Votre père a travaillé dans cette usine toute sa carrière? Toute sa carrière professionnelle. Il est entré à l'âge de 14 ans et il a été licencié à l'âge de 64 ans. 50 ans de présence dans la même entreprise. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était tourneur au début. Il a eu un accident du travail, il a perdu un œil et il est devenu cariste. Et sur la fin, il travaillait même de nuit sur des fours à haute fréquence. C'est un travail dur? Un travail dur, oui. Commençait à 5h du matin jusqu'à midi, reprenait à 1h jusqu'à 17h. Parfois même on venait le rappeler vers 18h, vers 19h, quand il y avait beaucoup de travail, au moment des Trente Glorieuses, quoi.
Pour qu'il revienne. Pour qu'il revienne. Et il revenait. Et il gagnait bien sa vie? Ce sont les heures supplémentaires qui faisaient sa paye. Alors comment c'était? Mais ces souvenirs de jeunesse, si vous voulez, ce sont une foule de gens en bleu de travail à midi. Un Nouzonville grouillant d'ouvriers qui se pressaient pour aller déjeuner. Et puis des souvenirs peut-être plus précis, plus sensibles à la maison. C'était l'odeur du métal froid sur le bleu de travail. Et ma mère qui travaillait dans une autre usine, elle, c'était plutôt l'odeur de l'huile. Parce qu'elle revenait, elle était toujours couverte de copeaux. Copeaux d'acier. Copeaux d'acier, puisqu'elle faisait de l'usinage. C'est-à-dire qu'elle recevait des copeaux qui lui... Elle recevait des copeaux qui lui brûlaient tout le coup. Donc, le tablier, ce n'était que huile et copeaux. Et les patrons, vous les avez connus, à l'époque? J'ai connu le patron de chez Thomé Kronbach parce que, comme tout enfant d'ouvrier de chez Thomé Kronbach, on avait le droit aux colonies de vacances. Et je suis allé aux colonies de vacances dans les Alpes, à Saint-Gervais, et ensuite à Megève. Et M. Thomé, le patron de l'usine, celui qui avait permis à cette usine de prendre une grande envergure, venait visiter la colonie et venait dire un petit mot aux petits colons que nous étions. Et je me souviens, on allait à la messe le dimanche, c'était obligatoire. Il n'y échappait pas. Enfin, c'était quand même pas mal, quoi. C'était l'occasion d'aller en vacances, puisque moi, mes seules vacances, c'était la colonie de vacances de chez Thomé Kronbach. C'était des patrons plutôt sociaux, on peut dire. Plutôt sociaux, oui. Le salaire n'était pas très, très important. Mais par contre, quand il était en retraite, il a touché une retraite confortable, je dirais, entre guillemets. Dans la mesure où le patron cotisait à une mutuelle, ce qui fait que, à une retraite complémentaire, ce qui fait que mon père se retrouvait avec un salaire, curieusement, plus élevé que quand il travaillait. Je me souviens que mon père avait beaucoup de respect pour ce patron, ce qui ne l'empêchait pas de râler sans arrêt après lui. Hein. Ça faisait partie de la lutte des classes, si on veut. C'était ma première boutique. C'est mon père qui m'a fait rentrer dedans. J'avais 19 ans. Je venais juste de me marier, je crois. Mais ça doit être ça. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Et votre père, il travaillait déjà? Ah oui. Il a fait 30 ans dedans. 30 ans en acierie, quoi, couleur. Il était au moulage main, il était couleur, Il a passé la plupart de sa vie là-dedans, quoi. Et vous? Moi, j'ai fait 6 ans. J'étais contrôleur, moi. Je contrôlais des pièces de sécurité. Des pièces de haute sécurité, même des carters de frein de TGV, des supports de biel, des pièces où il fallait faire très attention, quoi. On faisait quand même des bons produits, quoi. On faisait de la pièce, de la qualité, quoi. Mais bon, maintenant... Vous aimiez ça? Ah ouais, moi j'aimais bien. On est là-dedans, de toute façon, quand on est là-dedans, on aime bien. Si on n'aime pas, on ne peut pas rester 2 heures. C'était bien. Je me rappelle, il y avait une statue de la Sainte Vierge, là. Juste là. Elle était là, il y avait une statue de la Sainte Vierge. Ça vous a pas protégé? Bah,
Non, nous, ça ne nous a pas protégés. Ça a protégé beaucoup de familles pendant longtemps, parce que ce qu'a fait Tomé, quand même, ça a été fait. Hein. C'était beaucoup du social. C'est eux qu'on fait le social à nos envies. Là, disons qu'on est dans le fond du trou, là, je crois. Mais il va falloir relever la tête, on verra bien. Là, c'était les anciens bureaux, là. Tout ce qui était technique, logistique, maintenant, mais c'est la catastrophe, quoi. J'étais jamais revenu là, dans ces bureaux-là. Là, c'était le contrôle qualité, là. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Alors là, c'était la chaîne de coulée, là. Juste là. Il y avait je ne sais plus combien de moules. Donc là, c'était une chaîne automatique, vous voyez. Ça amenait les moules. L'acier arrivait dans des poches, il y avait un couleur. Donc c'était le métier de mon père d'ailleurs. Et donc il se positionnait au-dessus du moule, il ouvrait sa quenouille et l'acier tombait dedans. Il y avait du monde là-dedans? Oh là, ouais. Là, il y avait trois équipes, là. Trois équipes de 8 heures. 3-8 en permanence. Le dimanche, les gens revenaient faire les fours le dimanche. Le dimanche matin, mon père travaillait de 4h midi le dimanche matin, tous les dimanches matin. Il venait rebriqueter le four, vous voyez, pour que le lundi matin, hop, ça reparte. Un boulot de bagnard, quand même. Boulot très dur. C'est vrai que maintenant, c'est triste, quoi. C'est triste. Alors un jour, à la fin des années 80, il y a les Italiens qui sont arrivés. Ouais. Comment ça, vous étiez... Les années 80, ouais, 90, quoi, on va dire. Ouais. Vous étiez délégué, vous? Ouais, j'étais délégué, moi. Alors là, ça a été l'apothéose, on va dire. C'est des gens qui voulaient nous apprendre à travailler. Ils voulaient nous apprendre à travailler. On ne savait pas travailler pour eux. Il fallait que c'est eux qui devaient nous montrer comment travailler. Mais en fin de compte, ils n'ont rien montré du tout, quoi. Ils sont partis avec les procédures, les plans, les licences. Je ne sais pas si on pouvait parler de licence en ce temps-là, mais ils sont partis avec le savoir-faire. Ils nous ont tout pris. Les clients aussi. Ah ben tout, même la dignité. Hein. Quand je dis tout pris, c'est tout. Ils nous ont eu comme il fallait. Progressivement, mais ils nous ont eu. Et de toute façon, leur but du jeu, c'était pas d'investir, de dépenser de l'argent ici. Le but du jeu, c'était de piller. Voilà, piller. C'est le mot, oui, c'est piller. Thank you.
Il y a encore de l'avenir pour une petite entreprise d'estampage comme vous ? Je pense qu'il y a encore de l'avenir. Traditionnel, disons. Oui, je pense qu'il y a encore de l'avenir. Ce qu'il faut, c'est trouver du personnel, hein, capable de faire le boulot comme on le fait, quoi. Et puis il va y avoir un bon commercial pour aller chercher les commandes là où ils sont, quoi. Que sinon, tout a tendance à partir un peu à l'étranger, si vous voulez. Même nous, en petite série, on est harcelés quand même par l'étranger, quoi. Ouais, c'est-à-dire ? Ben, par les gens qui travaillent moins cher que nous, quoi, en fait. Là, maintenant, on nous met des prix italiens, des prix polonais, des prix tchèques en face, quoi. Donc on a du mal, avec les augmentations d'acier qu'on subit, on a beaucoup de mal à suivre au niveau prix, quoi. Et puis on a aussi du mal à trouver du personnel. C'est vrai que ça fait toujours un peu peur. Quand on embauche quelqu'un, si vous voulez, la première semaine, ça fait toujours un peu peur, parce que c'est quand même un métier difficile. Hein, on vit quand même dans un environnement polluant, hein, beaucoup de bruit, beaucoup de fumée. Et avec l'habitude, si vous voulez, c'est comme tout, hein, c'est n'est que l'habitude. Hein. Avec l'habitude, ça devient un métier comme un autre, quoi. Enfin, vous avez des ouvriers assez étonnants, quand même. Ah oui, on a des ouvriers étonnants. Hein. Mais là, on a des anciens, là, hein, toute la bande d'anciens qui fait partie de l'entreprise depuis que j'ai repris, moi. Et puis donc, on a incorporé des jeunes dans les équipes, quoi. Bon, ça se passe pas trop mal. Hein. Enfin, on a une très très bonne équipe d'anciens. Hein. Hein, c'est ce qui tire un peu la boutique, quoi. Une très très forte compétence, très bonne motivation, et puis un très bon état d'esprit, quoi. C'est-à-dire, état d'esprit ? Très bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'on travaille pour l'entreprise, quoi, si vous voulez. Hein. Hein, vous avez vu les gens ce matin arriver, il n'y a personne qui est en retard, tout le monde est à l'heure, tout le monde est là une demi-heure avant, prêt à... Donc ça, c'est un, hein, on n'arrive pas à 6h moins 1 pour pointer en courant, quoi. C'est le bon moment de la journée, là. C'est un des meilleurs. Mais c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. C'est quoi le meilleur ? 2 heures. Quand ça s'arrête ? Oui. Parce que c'est quand même très dur. Hein. C'est dur. Quand c'est des rouleaux pas. Bon. Et même des petites. Hein. Quand ça ne va pas. À 53 ans, ça commence à fléchir les bras. Ouais. Parce que là, vous avez des pièces qui font jusqu'à 40, 45 kilos. Ouais. 50. Mais surtout nous, on travaille sur le plus gros pilon, hein, donc on fait beaucoup de grosses pièces. Hein, on ne fait pas beaucoup de petites pièces. C'est pas des grosses séries, l'avantage qu'on a, c'est pas des grosses séries. Donc après, on a le montage, on peut dire qu'on a un temps de repos un petit peu entre chaque commande. Et, vous savez, quand vous avez 50 kilos au bout d'une tenaille, il faut les porter. Nous, c'est surtout les problèmes de dos. Bon, ben là, il n'y a pas longtemps, j'ai débloqué une semaine. Bon, ils sont venus me voir à la maison, hein, parce qu'on est des copains, on se voit. Et je dormais par terre à plat. À quatre pattes. Je marchais à quatre pattes. Hein. Impossible de bouger, piqûre tous les jours. Il arrive des moments où ça bloque. Et puis là, ça repart. C'est bon, ben, on fait une série de piqûres et puis ça repartit. Hein. On est reparti. On prend même pas la totalité des arrêts de travail qu'ils nous donnent parce que vous voyez, c'est malgré tout, on a la conscience quand même. On revient avant. Si on peut revenir avant, on revient avant. On fera jamais pour. On sait qu'on fait des pièces pour eux, le TGV ou pour ci ou pour ça. Ben, c'est une fierté en fin de compte parce qu'on se dit tiens, le TGV roule un peu grâce à nous. On se sent utile. Oui, on se sent utile et puis. Voilà, on ne fait pas tout le temps pareil, c'est varié, c'est un plaisir, quoi. Et avec le patron, comment ça se passe ? Ben, le patron, moi, je vous dirais franchement, si on a encore la chance de faire ce travail-là, c'est grâce à lui. Ouais.
C'est grâce à lui. Parce que l'usine, il ne serait pas là, l'usine serait fermée depuis longtemps. Moi, je pense, c'est, moi, c'est mon idée à moi, bon, ben, les autres pensent sûrement pareil que moi, mais il ne serait pas là. C'est quelqu'un qui... Il s'investit, en plus, c'est ça qui peur de se salir les mains. Il s'investit, il vient, quand il manque... Voilà. S'il manque une personne, il n'hésitera pas à venir vous donner un coup de main. Il viendra pour travailler avec nous. Tout ce que vous faites, il sait le faire. Ah, tout. Et il paye bien. Ça varie par rapport à... Voilà. Ici, on a quand même on a une petite entreprise par rapport... Et on a un patron qui est quand même assez compréhensif. Si vous avez besoin d'une journée, il ne vous dira jamais non. Alors, ça compense un peu comme ça, quoi. Ça, c'était la pièce finie. Voilà. Il en partait combien par jour ? Nous, on en faisait environ 5 machines, 5 fois 7, 35 000 par équipe. Donc, on travaillait en 3 à 8, plus le week-end. Plus de 100 000 ? Oui, plus de 100 000. Parfois. On est même monté à 120 000. Et ça, c'est des pièces qui allaient donc chez Visteon Ford. Voilà. La dernière caisse qui a été faite. Vous êtes vraiment dans votre univers, là, votre petite usine à vous, là. Oui, c'est mon petit chez-moi, parce que ce chez-moi, c'est ma passion, quelque part. Et c'est vrai que quand on est passionné, ben, c'est une force spirituelle, on peut dire le mot. Et ça vous ouvre l'esprit sur beaucoup de choses. Moi, par exemple, quand je sortais de mon travail pour me détendre, bon, il y en a qui ont besoin de regarder la télévision, même regarder un livre. Moi, c'est dans cet antre, ici, dans la petite mécanique, que j'arrivais à trouver, à des fois, des solutions à des problèmes que j'avais dans le travail. Moi, par exemple, le cas des alternateurs dont j'ai travaillé toute ma carrière dessus, on peut dire, puisque
Voilà un exemple que j'ai sous la main d'un alternateur. En fait, c'est un rotor d'alternateur. Les parties qui étaient faites chez Tom et Génaud, en fait, ce sont ces deux pièces ici. C'est des pôles. On appelle des pôles. Alors, à un moment, le pôle a été l'essentiel de la fabrication de Tom et Génaud. Il a été très très longtemps. Bien que Tom et Génaud avait une volonté, parce que on s'est rendu compte que déjà, par la force des choses, on était déjà limité en nombre de clients, puisqu'on voit que Valeo et puis Visteon représentaient la grosse majorité de la masse des pôles. Oui, ils étaient c'était les équipementiers de la plupart des constructeurs automobiles. Des constructeurs automobiles. Leur objectif, c'est toujours des prix au plus bas, parce que ils ne se soucient pas si le gars qui produit va pouvoir s'en sortir, ce qui est grave quelque part, parce que même pour eux, c'est un peu un échec à long terme, parce que c'est ce qui arrive d'ailleurs. Aujourd'hui, Valeo, il va être obligé de prendre des produits de ce qu'il aura sur le marché, puisque Tom et Génaud n'est plus là. C'était 2 millions de pièces par mois. En gros, on fabriquait à peu près 20% du marché mondial. C'était une usine extraordinaire. C'était vraiment une technique révolutionnaire. Et c'est vrai que c'était Tom et Génaud qui était à la pointe de ça. Et voir ça disparaître, c'est vrai que c'est... Pour ceux qui ont travaillé dessus, c'est vrai que c'est dur. Mais ces ouvriers, c'est des gens qui avaient l'amour du métier, c'est-à-dire qu'ils travaillaient avec passion, hein, et ils allaient au-delà de se dire « je suis attiré mes 7 heures ou 8 heures, et puis après je m'en vais chez moi ». C'est des gens qui avaient une conscience, qui tenait de parents, parce qu'on retrouvait souvent les mêmes familles de plusieurs générations chez Tom et Génaud. Et ces gens-là, ils étaient tellement fiers de leur travail que s'ils se rendaient compte qu'ils avaient fait une erreur quelque part, bien, vous n'étiez pas obligé de les punir, ils se punissaient eux-mêmes. Et puis chacun, on doit lui donner des responsabilités en fonction de ses capacités, mais il faut que les compétences de chacun soient reconnues, et je crois que tout le monde en a des compétences. Un jour, on a dû enlever un peu du personnel qui partait à des pré-retraites. On avait enlevé une personne qui était un graisseur. Alors, le patron dit, mais c'est un travail de manœuvre, graisser des machines. On lui a dit, mais vous vous rendez compte qu'un bon graisseur, il vous sauve vos machines. C'est-à-dire que lui, il va mettre les bonnes huiles, les bonnes graisses au bon endroit, au bon moment, quand il faut. Mais c'est une entreprise qui tourne en 3-8, c'est vraiment son avenir. Hein? Si vous remplacez par quelqu'un qui, lui, un jour il le fait, un jour il ne le fait pas, il met une huile, comme ça il n'a plus celle-là, il se dépanne avec une autre, il fait n'importe quoi, mais les machines derrière, elles vont souffrir. Et ça, vous ne le verrez pas directement, mais indirectement, c'est le parc machine qui va descendre progressivement. Donc ce gars-là, il a un rôle extrêmement important dans l'entreprise. Et sa qualité, il faut la reconnaître. Vous voyez, ben, ça m'avait fait réfléchir. Vous aviez des cadres assez exceptionnels, Tom et Génaud. Des cadres assez exceptionnels, surtout que la majorité était autodidacte. Hein. Parmi ces grands cadres, là, il y avait des gens qui étaient très très loin de vous, qui étaient plutôt des rouges, comme on dit, et ça vous gênait pas, ça? Ah non, pas du tout. Goffard, par exemple? Ah, absolument pas. Je ne pense pas que lui-même, ça le gênait, je ne crois pas. J'en sais rien, je ne sais pas exactement ce qu'il peut avoir... Évidemment, dans son inconscient ou dans son conscient, mais je ne crois pas que ce jeune homme s'en aille non plus. Et vous, non? Rien? Ah non, pas du tout. Alors ça, absolument pas. Ouais, vous savez, à nos envies, on finirait par parler à grand monde, hein. Oui. Ah non, moi, ça ne me gêne absolument pas. Et vous faites partie de ces patrons qui ont toujours vécu sur place? Ah oui, toujours. Près de l'usine? Toujours, toujours. D'ailleurs, là aussi, c'est un peu une caractéristique du milieu industriel de la vallée. Enfin, si vous circulez dans la vallée, les patrons ont construit leur maison, en général, près de leur usine. Ils ne sont pas allés se construire une maison, si vous voulez, en haut de la colline. En haut de la colline, ou... Non, c'est près de l'usine. Dans les fumées.
Et pour eux, c'était vraiment chez eux, quoi. C'était chez eux. J'ai l'impression que vous étiez un petit peu, comment dire, pas tout à fait bien mélangé avec la bourgeoisie locale. Un peu différent. Mais la bourgeoisie de la vallée, c'est pas la bourgeoisie de Charleville, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a nettement une différence d'appréhension des choses, d'ailleurs. Ici, on est quand même immergé, si on peut dire, dans le milieu ouvrier. Donc, on comprend beaucoup mieux leurs problèmes, leurs attentes, leurs difficultés. Une personne qui habite Charleville, vous savez, le milieu ouvrier, oui, bon, on veut bien, quoi. Hein. Évidemment, j'aurais souhaité que ça se finisse autrement, que Tomé Génot continue. Avec mes fils ou sans mes fils, ou avec un repreneur, c'était ce que j'espérais. Là, j'ai quand même l'impression d'avoir raté quelque chose, de donner un chèque, c'est évident. Se le reprocher, oui, peut-être, mais enfin... Aussi, peut-être que vous avez vécu la fin d'une époque. Je pense que c'est quand même la fin d'un cycle industriel qui est né au milieu du 19e siècle et puis qui se termine maintenant. Je pense que là, réellement, il y a quand même une époque qui se termine, hein, je pense. Pas seulement pour les Ardennes, d'ailleurs, je pense pour la société en général. Et ça sera mieux ou moins bien, d'après vous? N'en sais rien, j'ai bien peur que ça soit moins bien. Je ne sais pas. Tomé Génot faisait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec les pôles d'alternateurs, que les pôles d'alternateurs étaient vendus à des grands clients style Valeo, Visteon. Et des équipementiers de l'automobile. Des équipementiers de l'automobile, qui sont réputés pour être particulièrement durs dans leurs achats et qui demandent chaque année à ce que les prix baissent, qui ont toujours beaucoup de mal à admettre que, par exemple, la matière première monte. Le prix de l'acier augmente. Quand le prix de l'acier augmente, c'est toujours très très difficile de le répercuter. Et donc il arrive un moment où les marges deviennent, quand je dis insuffisantes, voire nulles. Donc si vous ne résistez pas à ces gens-là, et ce qui est difficile, parce qu'évidemment ils vous menacent de reprendre les commandes, eh bien vous finissez par vendre à perte, ce qui est dramatique, évidemment. Et ces gens-là, la tendance est de se tourner vers des pays plus, comment dire, oui, plus accueillants, quoi. La haut cost. Hein, c'est-à-dire où les salaires sont moins élevés. Exactement. Alors il y a quand même deux raisons, hein. Il faut être lucide. Le marché, par exemple, de l'automobile, donc des équipements automobiles, il se déplace vers l'Est. Ici, à l'Ouest, on est saturé, on ne fait plus que de renouvellement. Bon, on le voit bien avec les chiffres actuels. Vers l'Est, il y a encore des possibilités extraordinaires. Donc il n'est pas illogique qu'ils aillent mettre des usines de fabrication là-haut. Et alors ils demandent que les fournisseurs les suivent là-haut. Ça peut s'expliquer. Mais en même temps, ils constatent en effet que les coûts sont beaucoup moins élevés là-bas. Et la tentation, c'est de se dire, allons faire tout là-bas, y compris ce qui permettra d'alimenter les usines de l'Ouest. Et ça, c'est un danger terrible pour les sous-traitants que nous sommes. Ça veut dire qu'ils exigent de leurs fournisseurs de délocaliser ? De délocaliser. Ben, ils exigent en tous les cas de monter des usines là-bas. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils ne nous disent pas fermer celles d'ici pour les monter là-bas, mais ouvrez des usines là-bas. Si vous n'acceptez pas de monter des usines en Slovaquie, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, vous sortez du panel à terme.
C'est très clair, hein, ils vous le disent très clairement. Malheureusement, on connaît, nous, dans notre métier du découpage en poussissage, des entreprises qui sont en train de fermer parce que, ou ils n'ont pas voulu ou ils n'ont pas pu partir à l'Est, au moins implanter, comme je disais, une unité là-bas. Le résultat, c'est qu'on leur dit, ben, messieurs, à partir de juillet 2007 ou de janvier 2008, c'est fini, on ne travaille plus avec vous. Ce qui, dans bien des cas, est la mort de l'entreprise. On peut dire finalement qu'une entreprise comme Tom et Geno, une belle entreprise comme Tom et Geno, est un peu sacrifiée sur l'autel de la mondialisation, en gros. Oui, on peut sans doute le dire, effectivement. On pouvait penser pendant longtemps qu'avec le savoir-faire qu'ils avaient dans l'épaule de l'alternateur, ils étaient à l'abri de cela, parce qu'il y avait des ingénieurs qui avaient vraiment été très performants, qui avaient trouvé un procédé qu'ils étaient pratiquement les seuls à maîtriser. Et ça, moi je pensais que ça les abritait pendant un bon bout de temps, avec tout de même une menace à terme, parce que les alternateurs sur les voitures, ça disparaîtra un jour. Bon, mais enfin, c'était pas encore tout de suite. Et là, apparemment, ils n'ont pas su le valoriser, quoi, si vous voulez. Je sais bien, c'est toujours très facile à dire, hein, mais il faut être capable de résister en face de vous à ces gens qui sont évidemment beaucoup plus puissants, mais qui ont quand même besoin de vous, et leur dire, si vous voulez nos pièces, il faut les payer au vrai prix. C'est tout. Alors, ces gens comme Valeo, par exemple, c'est une nouvelle forme d'entreprise, non? Valeo, vous voulez dire? Oui. C'est plus tellement des industriels. Ah, bah c'est-à-dire que... Oui, on peut admettre que dans beaucoup de ces grandes entreprises, maintenant, derrière, ce sont des financiers. Oui, ça d'accord, c'est vrai. Je ne sais pas si on peut dire ça exactement de Valeo, mais il y a de plus en plus d'entreprises industrielles qui sont maintenant gérées par des financiers. Et c'est vrai que les financiers attendent des retours rapides sur investissement, font des ratios entre les résultats et les capitaux engagés où on veut tant minimum, sinon c'est pas valable. Et ça, c'est assez redoutable. Vous voyez bien, quand une entreprise est vraiment dirigée par des industriels, par des ingénieurs, par des gens du terrain, elle ne raisonne pas de la même manière que quand elle est purement dirigée par des financiers qui n'ont effectivement que, j'allais dire, qu'un mot à la bouche, c'est le cours de la bourse. Hein, et qui se disent comment est le cours de mon entreprise ce matin et comment je vais faire pour faire remonter ça. Et il est certain qu'ils n'ont pas la même vision du métier, à mon avis. Moi, je vois ça dans un tout autre domaine. Je fais une petite dérive. Là, ici, nous achetons du zinc. Le zinc, il est coté à la bourse de Londres, qu'on appelle le LME. Et les fonds financiers viennent acheter et revendre du zinc, pas physiquement, virtuellement, parce qu'il y a un intérêt à tout d'un coup faire du profit là-dessus. Et ils ont complètement changé le cours de ces matières premières, de ces matières non ferreuses en particulier, uniquement parce qu'ils investissent des capitaux énormes et que d'un seul coup, ils font monter ou baisser le cours comme ils veulent. Ça, c'est plus ce qu'on appelle les fondamentaux, si vous voulez. Hein. C'est même plus tout à fait la loi de l'offre et de la demande. C'est carrément en plus, on injecte des capitaux parce qu'on va faire monter, on va prendre son bénéfice. C'est effrayant. Oui, c'est un peu effrayant. Il faut vivre avec, hein, on y arrive, mais c'est un peu effrayant. Je suis d'accord avec vous. Mais comment changer ça? Vous allez devenir anticapitaliste si ça continue. Ne me faites pas dire ça. Mais moi, je suis pour le capitaliste familial. Ça, c'est vrai. J'ai toujours été capitaliste pour le capitalisme familial. Mais c'est donc, il ne faut pas me faire dire ça. Mais incontestablement, cet afflux de capitaux colossaux qui vient comme ça sur des métiers classiques, ça a un côté inquiétant. Je ne peux pas dire le contraire. On a fait vivre des gens pendant un certain nombre, enfin on a fait vivre, eux ils nous ont fait vivre également réciproquement, mais on s'est fait vivre, je dirais, mutuellement pendant un certain nombre d'années.
Moi, j'ai essayé d'être l'ambassadeur d'un savoir-faire au travers d'une fonction commerciale pour montrer que ça avait un prix. Et je me suis souvent justement heurté aux acheteurs qui disaient « oui, mais il y a le prix de marché en face ». Enfin, il y avait quand même une compétence, il y avait quand même un travail réel. Et ce qu'il y a, c'est que là où je suis quand même entre guillemets frustré, c'est que mon espoir secret, c'était à un moment donné... vu le contexte, et je t'en avais parlé, c'était de, pour pérenniser ça, de sortir effectivement d'un cadre strictement familial qui me semblait étroit. Et c'est là où on avait peut-être, avec maman, une appréciation différente, dans la mesure où maman avait une responsabilité morale que mon père lui avait quand même laissée sur le dos, hein, puisque c'était même l'objet d'un testament précis que mon père avait fait en disant... c'est votre mère qui doit, et nous, ça nous convenait assez, parce que maman, c'était la cohésion familiale. Mais mon père, par ailleurs, me disait, tu verras, François, tu seras obligé de t'associer. Et donc, maman me disait, sois pas comme ton père, tu verras, ça s'arrangera. Et je ressentais quand même cette pression, sans vouloir être l'homme qui sait avant les autres. Ce serait très prétentieux de ma part, mais je ressentais quand même depuis 8-10 ans que, malheureusement, malgré tous nos atouts, on allait probablement... dans le mur. Oui, je reconnais, c'était votre avis aussi, vous, les garçons. C'était votre avis aussi. Je reconnais que c'est peut-être une question d'âge, peut-être une question de génération, peut-être... j'étais quand même très, très attristée par rapport à ceux qui étaient venus avant moi, quoi. Qu'est-ce que tu veux... Je me disais, ton père m'a fait une mission, je ne suis pas foutu de la remplir, quoi. Hein. Oui. C'est un peu ça. C'est vrai que maman... Donc vous ne vouliez pas vous associer à... Je ne sais pas que je ne voulais pas. Ah non, je ne sais pas que je voulais pas. Vous étiez réticente, quoi. Je n'étais pas réticente non plus. Je savais que c'était inéluctable. D'autre part, on a quand même cherché, on n'a rien trouvé, il faut bien reconnaître. Quand on a cherché, maman, réellement... Il était trop tard. Il était déjà un peu tard. Il était un peu tard. Il fallait chercher quand ça commençait, à mon avis, plutôt en 95-96, on était encore en voie d'intéresser des groupes parce qu'on était en phase de développement. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle la mondialisation qui arrive. Voilà. Donc, moi, je dis, il y a la mondialisation, et ça, maman, on est obligé d'en tenir compte. Tu avais raison, tu me le disais souvent, mais la finalité de tout ça. Je sais, maman, mais malheureusement, c'est une finalité que l'on subit. Et on ne peut pas... Et moi, je me suis rendu compte que c'était vain, parce que qui sait si j'ai fait des déplacements chez Valeo. C'était vain de leur expliquer le problème. Alors, par moments, moi, j'arrivais à des ruptures. Hein, j'arrivais à des ruptures qui étaient assez violentes, hein, et où je prenais des risques. Vous arrêtiez les camions, paraît-il. On arrêtait les camions. Oui, on disait, c'est tout, on arrête. On n'y vend plus. On n'y vend plus. Avec des violences verbales, quelquefois, au téléphone, qui étaient assez épouvantables. Bon, parce que je me sentais quand même, il faut le dire, un peu perdu, quand même. Hein. Et vous ? Je crois que c'est toujours la question qu'on se pose, c'est se dire, si on avait fait ça...